Mes chers amis, nous voici encore réunis pour le direct attaché au message du 25. Cette fois-ci, c'est le 27 au lieu du 26, mais je vois que vous êtes là. Voilà, on avait quand même bien prévenu. Alors, vous savez qu'on a reçu déjà un message le 18 mars avec Myriana. Je pense que vous l'avez lu, que vous l'avez médité. Et aujourd'hui, je vais vous lire le message que Marie nous a donné le 25 mars, donc il y a 2 jours. Et une chose particulière qui nous a frappé, vous savez que la liturgie a reporté cette fois-ci le message de l'Annonciation au 8 avril. Eh bien, Marie, le 25 mars, a tenu à apparaître avec son bel habit doré d'or. Et donc, ça nous a fait plaisir. La voyante Maria nous a dit cela. Alors, voilà, elle est quand même assez libre par rapport aux décisions liturgiques et elle a tenu le 25 mars pour elle l'Annonciation. Alors, je vais maintenant vous lire le message, une petite nouvelle, bon, c'est pas une nouvelle pour vous. N'oubliez pas qu'il y a toujours le chapelet en boucle, c'était le chapelet perpétuel, vous le trouverez sur YouTube, et c'est très très beau de voir qu'il y a toujours quelqu'un qui est branché pour dire le chapelet, et vous avez aussi la possibilité de mettre vos intentions. Donc, ceux qui prient le chapelet, là, dans ce chapelet perpétuel, bien sûr, portent dans leur prière les intentions que vous mettez. Je vous recommande beaucoup parce qu'évidemment, aujourd'hui plus que jamais, la Vierge a dit que ce temps, chers enfants, soit le temps de la prière. Voici alors des nouvelles des voyants. Tout est normal chez eux. Vizca souffre beaucoup. Elle est un peu celle qui souffre le plus. Elle offre, elle souffre. On ne peut pas du tout la voir. Elle ne voit personne. Mais elle prie. Elle est toujours heureuse. Elle est toujours contente de son sort. Et elle voit la Sainte Vierge encore tous les jours, comme Maria et Ivan. Voici le message que Marie nous a donné le 25 mars 2024. Chers enfants, en ce temps de grâce, priez avec moi pour que le bien triomphe en vous et autour de vous. De façon particulière, petits enfants, priez en union avec Jésus sur son chemin de croix. Déposez dans vos prières cette humanité qui erre sans Dieu et sans son amour. Soyez prière, soyez lumière, soyez témoin auprès de tous ceux que vous rencontrez, petits enfants, afin que le Dieu de miséricorde vous fasse miséricorde. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, je ne vous cache pas que voyant l'état du monde et le péché qui augmente en puissance, en nombre et en importance, donc dans le mal, j'étais très heureuse de voir que Marie nous dise encore cette fois-ci, en ce temps de grâce. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'elle ne l'a pas dit. Donc, ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de joie de voir qu'elle dit encore en ce temps de grâce. C'est-à-dire que malgré toutes les vagues du mal, malgré le déchaînement du péché et de comment Satan, comme elle dit, Satan, la haine de Satan a visité la terre, et bien malgré ça, c'est un temps de grâce où on peut dire que la grâce prédomine toujours sur le mal. D'ailleurs, je voudrais citer un message qui nous encourage beaucoup et que la Vierge a dit donc le 2 novembre 2014, écoutez bien, à propos du mal. « Mon fils m'a promis que le mal ne vaincra jamais. » Elle explique pourquoi. « Ne vaincra jamais parce que vous, âme des justes, vous êtes là. » Vous qui essayez de dire vos prières avec le cœur, vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon fils, vous qui comprenez que la vie n'est qu'un clignement d'yeux, un clignement d'œil, pardon, vous qui languissez après le royaume des cieux, voilà tout ce qui fait de vous mes apôtres. Donc, je répète la prière, la promesse, mon fils m'a promis que le mal ne vaincra jamais. Et il ne viendra jamais parce qu'il y a ceux qui prient, il y a ce petit reste dont on parle souvent, ceux qui restent fidèles envers et contre tout, en contre-courant du monde et de l'esprit du monde qui nous accable de ces messages, disons, mortels. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle que je voulais commencer par ça. Et puis la Vierge nous dit... Oui, je parle de ce temps de grâce parce que la Vierge aussi à Sœur Faustine nous parle du temps de la justice qui arrive après le temps de grâce.
On va parler tout à l'heure de Sœur Faustine, puisque la Vierge nous parle beaucoup de la miséricorde dans ce message. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus lui-même a parlé à Sœur Faustine du temps de miséricorde. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Après quoi, il y aura le temps de la justice. Donc profitez, comme dit Marie, profitez de ce temps de grâce. Priez avec moi, nous dit Marie, pour que le bien triomphe en vous, voilà, et autour de vous. Nous sommes invités, la Vierge décrit là les apôtres, ces apôtres de son cœur, vous qui priez avec le cœur, vous qui êtes là, vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon Fils, vous qui comprenez que la vie n'est qu'un clignement d'œil, vous qui languissez après le royaume des cieux. Voilà, elle nous décrit un petit peu les apôtres de son amour. Eh bien, elle nous invite, en tout cas tous, à l'accompagner dans cette marche vers le triomphe de son cœur immaculé. C'est cette formule qui est sympathique, qui dit que quand un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais 1 000 arbres qui poussent ne font pas de bruit. Alors j'aime bien cette formule parce que quelquefois on a l'impression qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de désespoir dans le monde d'aujourd'hui, mais il y a 1 000 arbres qui poussent dans le silence. Et c'est ça, le Seigneur n'a pas besoin de publicité pour faire connaître ce qu'il fait. Il agit dans les cœurs et il prépare beaucoup de cœurs à accompagner Marie dans son triomphe du cœur immaculé. De façon particulière, petits enfants, priez en union avec mon Fils sur son chemin de croix. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le mercredi saint, donc le vendredi saint, nous allons commencer à prier le chemin de croix et puis aussi la neuvaine à la divine miséricorde. On vous en parlera tout à l'heure. Et donc la Vierge nous invite à être en union avec Jésus sur son chemin de croix. Alors, je pense à Jean-Paul II. C'est que Jean-Paul II, qui était pourtant le pape avec toutes les activités qui étaient les siennes, eh bien chaque jour, il passait un long temps devant le Saint-Sacrement, allongé par terre, les bras en croix. Il priait ainsi. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est une tradition un peu polonaise de s'allonger par terre, les bras en croix. D'ailleurs, ici à Medjugorje, quand il y a des Polonais, quelquefois on est obligé d'enjamber devant l'autel parce qu'ils sont là, les bras en croix par terre, quoi. Et donc, c'est très beau de voir que tous les saints ont chéri le chemin de croix. Et quand elle dit en union avec mon Fils, eh bien, c'est une invitation à le regarder. Et là, je voudrais insister sur une chose qui est très, très importante. Très importante. C'est que bien sûr, nous avons tous des blessures d'enfance, des blessures d'adolescence, les blessures qui nous ont été faites après, les blessures que nous avons faites aux autres, etc. Donc, on a tous des causes de souffrance plus ou moins fortes, plus ou moins intenses. Et cette invitation de Marie à prier le chemin de croix en union avec Jésus, pour moi, est une invitation à recevoir de grandes guérisons de la part du Seigneur. Je l'ai dit dans mes dernières nouvelles, hein, du 15 mars. Plus nous regardons nos propres blessures, plus nous coulons. Nous coulons. Nous devenons dépressifs, nous devenons tristes, amers, et puis on se plaint, on se plaint, voilà. On se lamente et on coule. Par contre, si l'on contemple les blessures du Christ, voilà. Voilà ce qui va nous guérir, parce que c'est de ces blessures que nous avons reçu la guérison. Par ces blessures, nous dit le prophète Isaïe, nous avons reçu la guérison dans ces blessures. Donc c'est une invitation pour chacun de nous dans ce temps de la semaine sainte qui commencera encore plus, enfin, qui a déjà commencé, mais qui commencera encore plus. Le Triduum Pascal, c'est vendredi, samedi et dimanche, je vous invite vraiment à contempler Jésus. Contempler Jésus pendant son chemin de croix, à partir de son agonie à Gethsémani, où il a eu une grande, grande angoisse, il a transpiré le sang. Imaginez des gouttes de sang, nous dit Saint Luc,
des gouttes de sang qui tombaient à terre. Ça veut dire que vraiment, c'est une transpiration exceptionnelle. Et puis l'arrestation. Et puis le jugement. Le jugement sans avoir écouté comment il pouvait se défendre. Il n'y avait personne pour le défendre. Et tous ceux qui étaient réunis devant le palais du grand prêtre et qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le !» Eh bien, parmi eux, c'était beaucoup, beaucoup d'entre eux avaient été guéris par Jésus, délivrés par Jésus. Ils avaient écouté Jésus, ils étaient là, ils l'avaient suivi. Ils avaient fait des kilomètres et des kilomètres autour du lac de Galilée, dans la Judée, autour du lac de Tibériade. Ils avaient fait des kilomètres simplement pour l'entendre, parce que, comme disait le centurion, eh bien, personne ne parlait comme cet homme parlait. Et ce sont les mêmes qui ont demandé la mort de Jésus et la libération de Barabbas, un prisonnier qui avait été un assassin. C'est pour ça, je vous réinvite, comme la dernière fois, quand vous avez des choses difficiles, des problèmes, des souffrances, des attaques, toutes sortes de choses qui font mal, de ne jamais vous plaindre. Parce que Dieu, Jésus, grâce à Jésus, transforme la souffrance en grâce, en lumière. Jésus seul peut transformer une chose mauvaise, carrément mauvaise, en un parfum, si on l'offre à Jésus. Et on lui, c'est pour ça que la Vierge nous parle de union avec Jésus. Quand Jésus était sur la croix, c'était une horreur, un scandale pour les Juifs. Mais c'est par amour qu'il est monté sur la croix. Bien sûr, il a été condamné à mort. Il aurait pu fuir comme il a fait tant de fois pendant les 3 ans de sa vie publique. Non, c'est par amour, il voulait prendre sur lui nos souffrances, nos agonies, nos blessures, pour que par son sang divin, eh bien, nous puissions recevoir la guérison. Par amour. C'est incroyable, il a fait ça par amour. Et la Vierge nous dit, je voudrais citer ce message qui est particulièrement encourageant. Écoutez bien, chers enfants. Je pense soulager vos douleurs, car je les connais, je les ai expérimentées. Elle dit ce mot incroyable, la douleur élève, et c'est la plus grande prière. Et si nous nous unissons avec Jésus sur la croix, le fait de le contempler, il ne s'agit pas de recevoir les stigmates comme Saint François ou le Padre Pio. Si c'est quelqu'un parmi nous l'être soi, bon ben c'est sa vocation, mais c'est quand même très très rare. Il ne s'agit pas de recevoir les stigmates, mais de regarder Jésus dans sa souffrance et surtout de regarder son cœur qui ne fait que aimer et offrir, aimer et offrir, aimer et offrir. Jamais Jésus s'est lamenté sur la croix. Jamais. Alors voilà. Mon fils, dit Marie, aime d'une manière particulière ceux qui éprouvent des douleurs. Il m'a envoyé pour les adoucir et pour apporter l'espérance. Ayez confiance en lui. Vous voyez, ça c'est très beau de voir que Marie partage, me l'a dit une fois, chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne. Pensez que chaque personne sur la terre qui souffre, croyant ou non-croyant, eh bien Marie souffre avec cette personne les mêmes choses, comme elle a souffert avec son fils, comme co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle aidait son fils par ses propres souffrances de mère crucifiée, son cœur de mère a été crucifié aussi sur la croix en voyant son fils, bien sûr. Par compassion d'amour, eh bien, en faisant cela, elle a obtenu le salut de beaucoup de personnes. Ça s'appelle la co-rédemption. Aider le Rédempteur à sauver encore plus d'âmes. Et Marie a fait cela. Donc, quand Marie nous demande de prier le chemin de croix en union avec Jésus, c'est aussi, bien sûr, en union avec elle, comme elle a fait elle-même. Elle a prié. Je sais que certains mystiques qui ont continué à voir Marie après l'ascension de Jésus, par exemple quand elle était à Éphèse et tout ça, partout où elle allait, tous les jours, elle faisait le chemin de croix. Elle se souvenait très très bien de toutes les stations parce qu'elle y était. Et donc, quelquefois même, elle mettait des signes comme des petites croix ou quelque chose. Et tous les jours, elle faisait son chemin de croix en union avec son Fils. Et elle intercédait pour nous. C'est magnifique. Alors, je vous invite pendant cette semaine sainte, pendant le Triduum pascal, et même pour toute la vie en fait, toute la vie, de ne plus jamais vous plaindre, de ne plus jamais râler,
les Français, nous sommes des spécialistes pour râler, eh bien, de remplacer toute plainte par un regard sur le cœur de Jésus, le cœur transpercé de Jésus, pour recevoir de lui l'eau et le sang qui nous lavent, qui nous sanctifient, qui nous fortifient, qui nous sauvent en union avec Marie. Et ainsi nos souffrances offertes, unies à celles de Jésus, son chemin de croix, vont porter beaucoup de fruits, en commençant par notre propre famille, par nous-mêmes bien sûr, par notre propre famille. Et ça, c'est une chose qui nous sanctifie. Je vois par exemple, on parlait tout à l'heure de Witzka qui est très très souvent en souffrance. Elle a eu, je sais pas combien, plus de 40 opérations chirurgicales depuis qu'elle existe. Ça pour dire que elle connaît la souffrance. Eh bien, regardez son visage de joie, son visage illuminé, son visage. Elle est tellement joyeuse que quand on l'approche, on se dit, ah, j'aimerais bien être comme ça. J'aimerais bien être comme ça. Alors, si vous voulez être comme ça, être toute lumière, toute joie, tout amour, toute tendresse, eh bien, offrez tout simplement vos souffrances contre la tentation de vous lamenter. Immédiatement, dit Seigneur, je te l'offre. Je place cette souffrance dans les profondeurs de ton cœur ouvert, blessé par la lance. Magnifique. Et comme ça, on rebondit dans la joie et la lumière au lieu de sombrer. Voyez, quand on contemple nos propres blessures, on sombre. Quand on contemple les blessures de Jésus, on ressuscite. On ressuscite. Voilà. Jésus nous donne sa lumière. Et contempler les blessures de Jésus nous guérit. Ça nous guérit. Il guérit les nôtres. Marie, bien sûr, au pied de la croix, a épousé la mission de Jésus. Elle a toujours prié depuis qu'elle le connaissait, si je veux dire, depuis sa conception, vu qu'elle savait qui il serait grâce à l'ange Gabriel. Eh bien, elle a toujours épousé sa mission. Elle a toujours été là avec lui. Et en particulier dans ses souffrances, bien sûr. Aussi dans sa mission, quand sa tête a été mise à prix et tout ça, elle le savait. Elle entendait les échos. Elle le savait avec les saintes femmes qui lui racontaient et tout ça. Alors, Marie nous dit, déposez dans la prière, déposez dans vos prières cette humanité qui erre sans Dieu et sans amour, mon Dieu. Alors, elle nous demande d'intercéder comme elle fait elle-même. Et intercéder, c'est un mot qui est très fort. C'est pas seulement Seigneur, je te prie pour un tel, je te prie pour un tel. C'est bien. Mais intercéder, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est se mettre entre le souffrant et Dieu. Et en quelque sorte, c'est s'ouvrir à la souffrance de l'autre avec la compassion qu'avait Marie. Voyez? Un grand saint des pères de l'Église disait que intercéder, c'est verser son sang. Il y en a qui ont été jusque-là. Intercéder pour des pécheurs, pour des possédés, c'est jusqu'à verser son sang, c'est ce que Jésus a fait. Il a intercédé auprès du Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a versé son sang dans son intercession. Et Marie nous dit, non pardon, c'est Jésus qui nous dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et quand on se présentera devant le trône de Dieu, comme dit Marie, Jésus regardera l'amour que vous avez eu. Et ça demande beaucoup d'amour d'intercéder pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vont mal, pour ceux qui font le mal, pour ceux qui nous font du mal à nous, voyez. Et Marie nous dit, voilà, déposez dans vos prières cette humanité qui erre sans Dieu. Quelquefois, on prend peur devant cette humanité qui erre sans Dieu. Quand j'ai vu près de la Tour Eiffel l'autre jour les gens qui dansaient de joie à l'annonce que l'avortement a été mis dans la Constitution, dansaient de joie, je me dis, mais où sommes-nous? Où est la France? Heureusement, il y a d'autres qui intercédaient pendant cela et qui priaient. Voilà. Donc déposez dans vos prières. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui errent sans Dieu, peut-être même dans votre propre famille, dans votre propre ville, dans votre propre village. Vos voisins, par exemple, est-ce qu'ils ne sont pas en train de errer sans Dieu? Et alors, sans Dieu et sans son amour, qu'est-ce que ça fait? Marie nous dit, chers enfants, sans Jésus, vous n'avez ni joie, ni paix, ni avenir, ni vie éternelle.
C'est très grave. Et elle voit que la majorité des hommes aujourd'hui, quand elle dit l'humanité, c'est comme la majorité des personnes sur la Terre, après 2000 ans de christianisme. Parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas vraiment fait notre travail, justement, de déposer dans nos prières toute l'humanité. Voilà. Et vivre sans Dieu et sans son amour. Quelle espérance pouvons-nous avoir de cette vie? Savoir qu'un jour, on sera dans une boîte sous la terre. Et que nos chers, ceux qui nous sont chers, sont eux aussi dans une boîte sous la terre. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour de Dieu. Je vois par exemple, moi, à cause de mes bêtises de jeunesse, je connaissais un petit peu avec le spiritisme et tout ça. Eh bien, je vais pas revenir là-dessus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup prié pour moi et qui a offert son sang. C'est Marthe Robin. C'est elle qui m'a sauvée. Je lui sais gré de cela. C'est les prières de Marthe Robin qui m'ont sauvée. Sinon, je me serais sans doute suicidée. Elle m'a sauvée. Et à mon tour maintenant d'intercéder pour ceux qui font des bêtises, qui ne connaissent pas Dieu. Et nous pouvons tous prendre cette décision de beaucoup intercéder. Voilà, pour mettre dans nos prières tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas son amour, parce que c'est terrible quand l'épreuve frappe. Quand l'épreuve frappe, s'il n'y a ni Dieu ni son amour, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient absurde. Comme dit Marie, la souffrance sans Jésus nous mène au désespoir. Et prie, Marie nous dit, soyez prière, soyez lumière. Alors, soyez témoin. Alors, je voudrais insister là-dessus que c'est la contemplation dans la prière qui nous transforme. Alors, quand elle nous dit, soyez prière, soyez lumière, c'est la même chose. Parce que le fait d'être lumière est dû au fait qu'on a prié. Quand j'ai contemplé Jésus qui est la lumière du monde, cette lumière vient sur moi. Elle m'est communiquée dans la prière. C'est ça l'adoration. Même si on est un peu fatigué, un peu distrait, Jésus est là avec son corps réel. On adore Jésus, on l'adore sur la croix. Vous voyez, voilà. J'ai mis cette croix là, vous voyez. Voilà. On contemple Jésus, on prie Jésus. Et quand on contemple Jésus, qui est lumière, on devient lumière. Marie nous dit, soyez lumière. Soyez lumière, comment on fait pour ça? Elle était lumière, la mère de la lumière, reine de la lumière. Elle a toujours contemplé son fils Jésus, elle l'a aimé, elle l'a regardé, elle a souffert avec lui, elle l'a accompagné. Voyez. Alors, si vous êtes prière, vous serez lumière et vous serez témoin. Ça sera automatique. Vous ne pouvez pas prier sans devenir lumière. Vous ne pouvez pas prier sans devenir témoin. D'ailleurs, la plupart des meilleurs témoins, c'est ceux qui ne parlent pas. Combien de fois j'ai vu des personnes qui étaient illuminées, je me suis dit, ah, c'est comme ça que je voudrais être. Simplement voir le visage illuminé de cette personne. Vraiment, c'est les gens qui prient beaucoup, ça se voit tout de suite sur leur visage, dans leur regard, il y a quelque chose, qu'ils aient 15 ans, qu'ils aient 95 ans, peu importe, ça se voit sur le visage d'une personne qui vit avec Dieu et qui prie. Alors c'est une invitation, soyez prière, nous dit Marie. La dernière fois, on avait prié, on avait parlé aussi de ce prêtre italien, Matteo Lagrua, qui priait beaucoup et qui avait une prière forte et qui accomplissait tant de miracles. C'était un témoin, vous voyez, il était lumière pour tout le monde en Sicile autour de lui. Il y avait beaucoup d'amis qui l'ont connu. Donc la lumière découle de la prière. Quand nous prions, nous devenons des capteurs de lumière. Captons la lumière de Dieu. Et là, nous sommes témoins. Et Marie nous dit, soyez témoins pour tous ceux que vous rencontrez, petits-enfants. Voilà. Alors ensuite, elle nous dit, la dernière phrase qui est très importante, donc soyez témoins, afin que le Dieu de miséricorde vous fasse miséricorde. Alors je voudrais expliquer le mot miséricorde. Ce n'est pas comme dans la formule latine, comme on le dit souvent. Il faut prendre la racine dans la Bible en hébreu. Le mot miséricorde, eh bien, en hébreu, se dit rachamim. Ça vient du mot rechem, qui est l'utérus, le sein maternel. Et rachamim, c'est le pluriel de rechem, c'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu a plusieurs seins maternels, mais c'est que c'est un pluriel d'intensité. Et quand Marie nous dit Dieu, miséricorde, ça veut dire un Dieu qui vibre comme une mère, vibre quand son enfant ne va pas bien, il est malade, il est tombé, il saigne, il est perdu,
il est sur le mauvais chemin, il a pris vraiment, il a eu beaucoup de souffrances. Le sein maternel de sa mère est comme un, comment dirais-je, comment dit, je sais plus, à force de parler les autres langues, je ne sais plus le français, en turmoil, comment on dit en français, turmoil. Enfin, il est en émoi, quoi. Il vibre, il tremble, il est. Voilà. Afin que le Dieu de miséricorde vous fasse miséricorde. Alors, il y a, aujourd'hui, il y a une pente savonneuse par rapport à la miséricorde. Parce qu'il y a la fausse miséricorde et la vraie miséricorde. Et la fausse miséricorde consiste à dire, ouais, ça va, fais comme tout le monde, tu sais, Dieu est bon, il est miséricordieux, il te pardonnera tout. Non, non. Il ne faut pas jouer au plus fin avec Dieu. La vraie miséricorde qui fait tellement souffrir Jésus parce qu'il souffre avec nous, c'est aussi de demander pardon. Et Dieu est trop content de recevoir notre demande de pardon, notre demande de pardon quand on se répand du mal qu'on a pu faire, même si 3 minutes après on retombe. Pourtant, c'est de demander pardon. Et ce n'est pas de continuer à pécher en disant ça va, Dieu est bon, il est miséricordieux, on ira au ciel tous ensemble. Allons-y gaiement, on peut vraiment. Ça, c'est la fausse miséricorde. Et d'ailleurs, c'est ce qui a failli mettre Gloria Apollo en enfer parce que elle avait mal commencé dans sa jeunesse. Elle a commencé à. Bon, elle a déjà fait un avortement à l'âge de 16 ans. C'est le seul avortement d'ailleurs qu'elle ait fait dans sa vie. Elle s'en est beaucoup repentie. Et puis, elle a commencé à coucher avec l'un, avec l'autre, etc. Et voyant dans un milieu des jeunes de son entourage, donc une vie un petit peu dissolue. Et puis un jour, elle a eu comme un retour de conscience. Elle m'a dit, attention, là, je suis en train de prendre un chemin qui n'est sûrement pas le bon. Là, j'ai le sentiment que là, je vais me perdre. Là, c'est pas bien. Là, je vais pas continuer comme ça. Je vais aller voir un prêtre et puis il va me conseiller. Et qu'est-ce que lui a dit un prêtre? Qu'est-ce que lui a dit ce prêtre-là? Vous priez pour ce prêtre, s'il est encore vivant. Il lui a dit, ça va, fais comme les autres jeunes. Ça va, ne t'inquiète pas. Dieu est bon, il te pardonnera toujours. Continue comme ça, il lui a dit. Alors elle a continué, oui, mais résultat, vous connaissez l'histoire. S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a beaucoup prié pour elle au moment où ses pieds touchaient la porte de l'enfer, elle serait aujourd'hui en enfer. Alors je vous recommande la vidéo où elle raconte son histoire. C'est prenant, ça vous prend aux tripes, je veux dire, vraiment. Où elle raconte, j'ai frôlé l'enfer. Laurie Apollo, vous le trouverez dans les CD de la communauté des éditions des Béatitudes. Donc voilà, soyez témoins afin que le Dieu de miséricorde vous fasse miséricorde. Et quand Dieu nous a fait miséricorde, alors là, on est vraiment heureux, on est lavé. Alors vous savez que Jésus lui-même a parlé à Sœur Faustine de sa divine miséricorde. Vous connaissez certainement Sœur Faustine. Si vous ne la connaissez pas, vous serez grondé, parce qu'il faut beaucoup la connaître. C'est encore le pape Jean-Paul II, dans sa grande inspiration du Saint-Esprit, qui a sorti Sœur Faustine de l'ombre, parce qu'elle avait été déjà condamnée par le. Voilà. Et donc, il l'a remise sur celle. Il y a eu des mauvaises traductions, c'est pour ça qu'elle avait été condamnée. Il a remis la bonne traduction, comme il était polonais, il était bien placé pour le savoir. Et donc, elle a été, comme je dirais, la secrétaire de la divine miséricorde que Jésus lui a fait connaître. Donc, elle voyait Jésus comme je vous vois. Non, quand je ne vous vois pas, en fait, je vois seulement mon frère Yann en ce moment. Et ma sœur Teresa. Mais disons que Jésus lui apparaissait souvent et lui parlait de la divine miséricorde. Alors, je profite que la Vierge ait parlé 2 fois de la miséricorde. Et même dans le message de Mariana, elle a parlé de la miséricorde le 18 mars. Voilà le Christ miséricordieux qui a été révélé à Sœur Faustine. Voyez que sur cette image, Jésus montre son cœur d'où jaillissent un faisceau de sang rouge et un faisceau blanc de lumière. Il a la tête baissée, les yeux baissés. Je sais qu'on l'a peint autrement, mais il a les yeux baissés pour signifier que, pour respecter la pudeur du pécheur qui ne veut pas regarder comme ça, qui peut avoir honte. Voilà. Donc nous, je ne peux pas ne pas vous lire ici certains passages de ce que dit Jésus sur la divine miséricorde, car. Bon, je vous invite tous, sans exception, à acheter le livre du Petit Journal de Sœur Faustine. Le Petit Journal de Sœur Faustine. Vous trouvez dans toutes les librairies, c'est un best-seller.
C'est un best-seller comme Histoire d'une âme pour la petite Thérèse. Voilà. Alors, achetez ce livre, ça vous coûtera quelques euros, mais c'est indispensable aujourd'hui pour comprendre ce que fait Jésus dans notre monde, ce que fait Jésus dans l'Eucharistie, ce qu'il fait dans la confession, ce qu'il fait dans les sacrements, ce dont il a souffert pour nous et comment il nous sauve. Alors, écoutez bien ce passage. Ce passage, voilà. Je vais vous lire. Ma fille parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde, la fête de la miséricorde, c'est le premier dimanche après Pâques. Je désire que la fête, elle a institué une fête de la miséricorde divine, soit le recours et le refuge pour toutes les âmes. Un refuge, nous dit le Seigneur, pour toutes les âmes. Et surtout pour les pauvres pécheurs. Donc nous tous. En ce jour, écoutez bien, en ce jour particulier, donc le dimanche après Pâques, en ce jour, les merveilles de ma miséricorde, pardon, en ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde, c'est-à-dire, je précise, toute âme qui se confessera et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la rémission et la remise des peines qui sont attachées au péché, c'est-à-dire le purgatoire. On n'aura pas à faire le purgatoire. Vous savez que pour chaque péché, il y a la possibilité de le confesser pour être pardonné. Mais reste attaché au péché le fait d'avoir du purgatoire pour purifier aussi l'âme. Eh bien, grâce à ce don extraordinaire de Jésus, particulièrement pour ce jour-là, eh bien, non seulement tous nos péchés seront pardonnés, mais aussi la dette due au péché, comme on dit, ou les pines, voilà, la dette due au péché sera enlevée. C'est extraordinaire. Voilà, je continue ma lecture. En ce jour, sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. N'ayez pas peur d'aller vous confesser. Même si ces péchés sont comme l'écarlate, ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit ni humain ni angélique ne pourra l'approfondir. Tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée, donc solennellement, c'est pour toutes les paroisses, le premier dimanche après Pâques. Écoutez bien, le genre humain ne trouvera pas la paix avant qu'il ne se tourne vers la source de ma miséricorde, le cœur ouvert de Jésus. Nous jaillissent donc les flots de sang et aussi les flots de lumière, décrits par le faisceau blanc que je vous ai montré là. Je ne sais pas si Viviane, toi tu montres quelque chose, en tout cas voilà. Et puis voilà, genre, je vais vous lire encore un autre passage. Je vais le noter comme ça. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Ah voilà. Ô Dieu inconcevable, comme ta miséricorde est grande, elle dépasse toute la compréhension des hommes et des anges réunis. Tous les anges et tous les hommes sont sortis des entrailles de ta miséricorde. La miséricorde est la fleur de l'amour. Dieu est amour. Et la miséricorde est son acte. C'est Sainte Catherine de Sienne aussi qui dit que la miséricorde est la nature de Jésus. Sa nature, il est miséricorde. Donc, Dieu est amour et la miséricorde est son acte.
Il est conçu dans l'amour. Il se révèle dans la miséricorde. Tout ce que je vois, me dit sœur Faustine, me parle de la miséricorde. Même la justice de Dieu me parle de son insondable miséricorde, car la justice découle de l'amour. Voilà, et juste encore une toute petite phrase. Jésus lui dit, pour nous, dis ma fille que la fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier. Tous ceux qui parmi nous ont besoin d'être consolés, ben voilà, vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez le moyen. Soyez consolés. Alors, ce qu'il y a, c'est que je dois, étant donné qu'il y a beaucoup de Français malheureusement qui ne connaissent pas encore la Divine Miséricorde, je vous signale que vendredi prochain, c'est-à-dire le vendredi saint, on commence une neuvaine. On va sans doute faire quelque chose pour vous indiquer un peu plus ce dont il s'agit dans les jours à venir. Mais Jésus a dicté à sœur Faustine une neuvaine qui commence le vendredi saint et qui se termine justement le dimanche de la miséricorde. Et chaque jour de la neuvaine, dictée par Jésus, ceux qui prient la neuvaine offrent à Jésus, offrent au Père à travers Jésus, un groupe de personnes. Alors il y a d'abord toute l'humanité, un autre jour c'est tous les pécheurs, un autre jour c'est les enfants innocents, un autre jour c'est les âmes du purgatoire, un autre jour ce sont les prêtres, un autre jour ce sont les personnes qui souffrent, un autre jour ce sont les âmes humbles, les âmes humbles, voilà, et douces comme lui. Voilà. Et chaque jour, on offre au Père un groupe de personnes et pendant les 9 jours. Et après, on atterrit sur le dimanche de la miséricorde. Et là, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, parce qu'on n'avait pas toujours la possibilité matérielle de le faire, eh bien, on fait cette bonne confession de la divine miséricorde et la communion de la divine miséricorde avec toutes les grâces que je viens de vous citer. Alors, il s'agit du paragraphe, ce que j'ai cité, il s'agit du paragraphe 699 dans le livre du sœur Faustine. 699. L'autre que je vous ai cité, c'est le 651. Et l'autre que je vous ai cité, c'est le 1517. Voilà. 1517. Voilà. Bon, là, je suis contente, j'ai fait mon travail parce que j'ai parlé de la miséricorde. Et c'est, comme dit Jésus, c'est la consolation pour toute l'humanité. Ne ratez pas cette consolation. Consolation personnelle, mais aussi parler aux autres. Quand vous aurez le livre, faites-le connaître. Faites-le connaître. Vous serez les mains étendues de Jésus crucifié, de Jésus miséricordieux, de Jésus victorieux dans sa résurrection. Voilà. Alors, voilà. N'oubliez pas que cette parole de Jésus, si vous intercédez, si vous mettez dans vos prières cette humanité qui erre sans Dieu, sans son amour, c'est ça qui a fait que Jésus est venu mourir sur la croix. Et donc, je vous invite pendant tous ces jours-là qui viennent de vraiment regarder Jésus, qui par amour est monté sur la croix, et par amour nous regarde, et par amour veut nous pardonner. Il suffit de nous dire comme le bon larron, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume. Oui, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume, toi seul. Aujourd'hui, Seigneur, peux me consoler, toi seul, Jésus, aujourd'hui, peux me sauver, toi seul, Seigneur, peux faire que je puisse être heureux pour toute l'éternité. Parce que toi seul, par ton sang, par le sang et l'eau qui ont jailli de ton cœur ouvert, eh bien, c'est le seul moyen pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel que celui de Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a qu'un seul sauveur, et bien sûr, nous sommes les témoins de son salut, nous sommes heureux de l'être, nous ne voulons pas nous dérober à ce ministère extraordinaire de pouvoir témoigner de l'amour du Christ. Et si nous sommes nous-mêmes sur la croix, je sais que dans ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont, beaucoup même, qui sont sur la croix dans un lit de douleur, eh bien, nous offrons tous avec vous vos souffrances, nous les unissons à Jésus pour qu'elles portent beaucoup, beaucoup de fruits, et un fruit qui va demeurer parce que c'est un fruit d'union avec Jésus sur sa croix, dans son chemin de croix. Et donc, tous ceux qui sont unis à Jésus sur son chemin de croix seront ceux qui seront unis à Jésus dans sa résurrection. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce n'est pas un hasard si Marie de Magdala, qui était au pied de la croix, eh bien, a été la première à voir Jésus ressuscité. À mon avis, c'est Jésus. Jésus a déjà visité sa mère qui était au
mais sur le pied de la croix, qui n'était pas venu à chercher parmi les morts celui qui est vivant, il était resté là où elle était, à Jérusalem. Jésus l'a visitée d'abord, il l'a embrassée. Marie, Marthe Robin nous décrit ça. Il l'a embrassée, l'a serrée dans ses bras, contre son cœur. Et elle a vécu aussi la résurrection, parce qu'elle a vécu la croix. Alors, je vous souhaite un bon Triduum pascal. Et puis, bon, maintenant, nous allons passer donc aux questions. Essayez de poser des questions sur ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais en tout cas, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, posez vos questions. J'essaierai de répondre autant que je pourrai. Et puis, nous passerons après à une belle prière qui concerne justement la miséricorde divine. Voilà.